Que dire? Encore des putains de points perdus. Un point, un putain de point, un putain de point. Sur 9 prix, en 3 matchs, dont 2 qui sont 16e et dernier. C'est pas normal, putain de merde. Là, on perd 1-0 contre Monaco. On ne doit pas perdre 1-0. Première mi-temps, on va de l'avant. On joue, on a fait... Dans le match, on a fait 20 centres. Et là, on prend un but de merde à la FIFA. Poteau, ça revient sur le joueur. Cette chatte de fou. Alors, l'arbitre a été mauvais. En plus, on n'a pas de chance. Et on se prend un but. Les joueurs se battent même pas. Là, faut se poser les bonnes questions. Soit c'est emboli, soit j'en sais rien. Mais tu ne peux pas perdre autant de points. Prochain match, Brest, Nice, Paris. On n'a pas une équipe qui... On doit avoir une équipe qui est en dessous le top 10. Je vous le dis maintenant. Ne rêvez pas, l'OM ne sera pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Il sera en Europa ou en Europa League Conférence. Pas en Ligue des Champions. C'est impossible. Impossible. Surtout en jouant comme ça. Oui, 3, 4, 1, 2, si vous voulez. Mais on n'y arrivera jamais. On ne gagnera pas un match. Si Payet ne se réveille pas, ça fait 3 mois qu'il dort. 3 mois qu'il ne sait pas jouer. 3 mois qu'il ne donne pas les ballons vers le vent. Parce que si on veut être bon, il faut que ça passe par Payet. Mais Payet, il est nul, il est éclaté. Il faut le rappeler Popiet. Quand on l'appelle Popiet, des fois, il met une différence. Mais là, on l'appelle Payet, ça y est, il fait de la merde. Popiet, réveille-toi, bordel de merde. C'est pas normal. Au début de saison, t'étais bon. Là, ça claquait des buts, là, ça y allait. Là, il n'y a plus personne. Là, les joueurs qui ont fait un bon match aujourd'hui, Camara, Gerson. Citez-moi en d'autres. Et bah. Ok. Ils ont fait une bonne première mi-temps, l'équipe. Et après. Deuxième. Rien. Je me suis dit, on va entamer la deuxième période. Quand on entame la première, c'est marcher dessus. C'est pas normal de se faire marcher dessus comme ça. Tu te fais pas marcher dessus. Tu te fais respecter. T'es dans ton stade. T'as 57 000 supporters qui te regardent. Et non, tu te bats pas. On chante pour l'amour du maillot et tu ne te bats pas. C'est pas normal. Oh, à la 85e, des supporters qui quittaient le stade. Mais je comprends totalement. C'est pas possible de jouer comme ça. Tu veux te qualifier en Ligue des Champions ou pas? Ou tu veux aller en Europa League? Parce que, ok, c'est vrai, moi j'aimerais gagner l'Europa League avant les autres clubs français. Pour dire vraiment à jamais les premiers. Et gagner celle-là. Mais en fait, l'ambition, c'est quand même d'aller en Ligue des Champions si tu veux s'aligner l'année prochaine. Enfin, je sais pas. Mais la Ligue des Champions, ça fait rêver plein de monde. On va attirer du monde. Enfin, bah là, faut se poser les bonnes questions. Les deux joueurs, ils ont fait un communiqué pour Sampoli. Je pense que ça n'a pas suivi. Va falloir se ressaisir fort. Parce que là, un point sur 9 possibles. Donc, un match nul contre 3, tu prends un but à la 90e, tu marques que sur penalty, parce qu'on va pas se mettre au dernier match, 3 derniers matchs, enfin bref, en fait nos derniers matchs, je sais pas depuis combien de temps, mais on marque que sur penalty. Sinon, on marque pas du tout. Donc, faut se poser les bonnes questions. Parce que là, il y a un problème. Mais vraiment, genre là, on va se retaper une crise. Il y a un an, on sortait d'une crise, on se retape une crise. Mais les gars, pas une crise tous les temps. Ça va pas. Maintenant, stop. On va se ressaisir. Parce que là, le prochain match, c'est contre Brest. Après, contre Nice. Et Nice, c'est chez nous. On n'a pas intérêt de se faire taper. Parce que là, c'est nous qui allons vous taper sur les doigts. Nice, ils nous ont craché dessus avec les bouteilles. À nous de leur rendre la monnaie de leur pièce sans les bouteilles, sur le résultat. Allez, ouais.